Ouais, salut à tous, c'est Xaf. Je suis toujours au Chili actuellement. Voilà, je continue un petit périple avec mon fils. Voilà, aujourd'hui, on a passé la journée avec l'ami Colique Fantastique et sa moitié. Donc, c'était super sympa. Voilà, petit resto, discussion. On a fait quelques boutiques, même si on n'a rien acheté. Parce qu'il faut dire qu'à Santiago, ça coûte un bras. Mais bon, avant ça, je suis allé faire un petit tour un peu partout et j'ai trouvé quelques. Ouais, pas des trucs qui. Casserait trois pattes à un canard, mais des trucs que l'on ne trouve pas forcément à prix raisonnable chez nous. Mais voilà, donc je vais montrer ça tout vite et puis c'est parti. Donc, alors qu'est-ce qu'on a là? Ici, même si elle est crado et tout, elle fonctionne très bien. C'est une Super Nintendo US Junior, c'est la SNES Junior. Donc, tu vois, que je tombe un bouton on-off reset, il n'y a même pas d'éjection de cartouche, il n'y a pas de LED. Donc, voilà, c'est la dernière version qui est sortie, les One Chip. Voilà. Celle-là, donc c'est une US. Il va falloir que je la modifie, la péter les ergots qu'il y a au fond pour jouer au jeu Famicom, enfin Super Famicom et PAL. Ça apparemment assez recherché chez nous. Ça coûte un bras. Bon, ici, ça coûte pas du tout un bras. Ça coûte, je dirais pas que ça coûte rien, mais ça vaut le coup. Avec ces contrôleurs. Alors, c'est des contrôleurs. On voit la différence, c'est qu'il y a juste écrit Nintendo. Enfin, toujours les boutons sont creusés, enfin convexes ou concaves, je sais pas. Petite référence derrière, hop, mise au point. Ah, c'est crado, c'est le chili, j'allais te dire, la deuxième qui a été bouffée à moitié. Voilà. Je fais un petit bruit bizarre, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, l'avantage de ces contrôleurs, hop là, c'est qu'apparemment, selon pas mal de personnes, ils sont de meilleure qualité. Voilà. Alors, à savoir qu'il y en a un des deux là qui partira chez l'ami Grégovitch de GHM. Voilà, parce qu'il m'a demandé une console, mais même Ezekiel, mais c'est compliqué, je peux pas non plus. En acheter constamment, c'est ça devient voilà. Donc forcément, ça va toujours avec des lots. Donc il y avait quoi comme jeu? Alors ça, c'était un lot à part. J'avais le Exhaust Heat Super Famicom, Yu Yu Hakusho 2 Super Famicom. Bon, celui-là, je l'ai en double, il partira à l'échange. Le GT Racing qui est super sympa. Voilà, c'est bon, le DBZ le premier que je n'avais plus. Bon, c'est pas un super jeu, mais bon, au moins je l'ai. Ensuite, j'ai eu ce lot de trois jeux. Donc celui-là, alors c'est Zenki. Alors c'est pas le jeu de RPG, c'est le jeu de plateforme qui, selon l'ami Gangixtal, déboîte. J'ai hâte de le tester. Là, on a le Super Drift Out en boîte. Bon, il manque la notice, mais bon, c'est pas bien grave. Ça a l'air fort sympathique. Voilà, j'ai regardé quelques vidéos sur le net, ça a l'air fort sympathique. S'exploite tout comme celui-ci, les jeux de bagnole, ça exploite pas mal le mode 7. Ça me fait penser au Power Drift, ou je sais plus comment il s'appelait, celui qui était sur Neo Geo ou sur arcade là. Donc voilà, ça c'est pareil, je l'ai jamais vu passer. Et le fameux Rakai Blues, voilà. Celui-ci est complet. De toute façon, il y aura un test qui sera fait quand je serai de retour et bien réinstallé chez moi. Voilà, ça me fait penser au dessin de. Ça s'appelle Koe Foufoufou ou de. Slam Dunk, c'est sûrement le même dessinateur. Donc on voit un petit bois boîte avec la notice qu'il y a à l'intérieur et tout. Voilà, c'est pas super état, mais c'est pas grave. Et après, bon, petit jeu PS1, voilà, un japonais. Le fameux Street Fighter 02, ou Alpha 2, comme on dit chez nous. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Donc ça, c'est l'ami Gunrock, qui m'avait, toujours de chez GHM, qui m'avait conseillé de le prendre si je le trouvais. Voilà, j'ai déjà le 3, mais apparemment le 2 est meilleur. Bon, il y a un petit pet là, bon, c'est pas grave. Celui-ci est complet aussi, hein, je veux dire. Et puis notice, c'est tout mimi, c'est du Jap. Alors, à savoir qu'il y a beaucoup de jeux Jap ici dans une boutique, mais voilà, ça vaut pas le coup. Donc voilà le petit journal du blédard qui continue. Et là, peut-être je vais en rentrer une autre, je suis pas sûr. Parce que là, dans ma valise, ça commence à faire beaucoup. Puis voilà. Bon, ben, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Sûrement mon retour en France. Allez, ciao ciao!